Alléluia. Well, we thank God. Nous disons merci à Dieu. Wave your hands to the Spirit of the Lord this morning. De l'Éternel sur ma vie. And tell him thank you. Et dites merci. For what he's doing in our life. Pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies. And what he's going to continue to do. Et ce qu'il va continuer d'accomplir. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Amen. Let's pray. Our heavenly Father. Père céleste. King of glory. Roi de gloire. We celebrate. Nous te célébrons. For without you, we can do nothing. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. We ask that your presence, nous your demandons grace, que ta présence, ta grâce, accompagne, your word. Accompagne ta parole. Let these words not go out in vain. Ces paroles ne sortent pas en vain. May it accomplish your purpose. Accomplisse tes objectifs. Lord, Seigneur, let there be an entrance of your word. Il y ait pénétration de ta parole. To build faith, pour bâtir courage, ta courage, l'espoir. In the name of Jesus. Dans le nom de we Jésus. Bind. Nous lions toute résistance, tradition, la tradition, les doutes, l'incrédulité contre la parole de Dieu. Les chassons de ce lieu et nous relâchons maintenant le sang de Jésus sur chaque right maintenant. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Blessed be your name. Béni soit ton saint nom. In Jesus, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. And let the church say amen. Everyone that have breath, say amen. Okay, this month has been declared. Ce mois a été déclaré. The month of supernatural breath. Le mois de la percée surnaturelle. Touch your neighbor, say this son voisin et dis-lui, ce mois is my month. Est mon mois of supernatural. De percée surnaturelle. Hallelujah. Alléluia. And you cannot break through. Tu ne peux pas percer. Until you pray through. À moins que tu ne pries pour percer. I don't know how it sounds in French. You can't pray through until you pray through. Tu ne peux pas percer à moins de prier. You pray through. Tu pries pour percer. Alléluia. So I want to bring a teaching. Alors j'aimerais apporter un enseignement ce matin. I don't want you to shout hallelujah today. Je veux pas que vous criez hallelujah aujourd'hui. I just want you to get yourself in this teaching. Je veux que vous soyez dans l'enseignement. Because I found out. Parce que j'ai trouvé que. That in the house of God. Dans la maison de Dieu. To sing is easy. Chanter est facile. To clap is easy. Acclamer est très facile. But to pray is difficult. Et prier c'est difficile. Yes sir. And if you don't pray, et si tu ne pries pas, you become a prey. Tu deviens une proie. It is prayer. C'est la prière. A prayer that makes your singing power. Fait ton chant puissant. Amen. Without prayer, sans la prière, you cannot make it. Tu ne peux pas réussir. If Jesus Christ, si Jésus had to go, a eu à passer, to Gethsemane, à Gethsemane, to break through. Va percer before going to the cross. Avant d'aller à la croix. Who are you? Qui es-tu? And who am I? Et qui suis-je? Not to pray through. Pour ne pas prier pour percer. Amen. Alléluia. Miracles. Les miracles, la réponse des prières. I'm waiting in the place of prayer. Attendre à l'endroit de la prière. If you're not making it right, si tu ne réussis pas dans la vie, you are not praying through. C'est que tu ne pries pas pour percer. And prayer is something nobody does for you. Et la prière c'est quelque chose que aucune autre personne ne peut. You must be involved. Tu dois être impliqué. That's why Christianity is different. C'est pourquoi la chrétienté est différente. Other religion, you can pay somebody. Tu peux payer quelqu'un. To intercede for you. Pour que la personne intercède. But no. Mais the curtain that separated the holy from the holy, où le rideau qui séparait le saint des saints, was separated, a été déchiré. Man has free access. L'homme a eu l'accès libre to the throne room of God. Devant le trône de Dieu. It is now one on one. C'est maintenant face à face. That's why the Bible says. C'est pourquoi la Bible dit. Come to the throne of grace. Venez devant le trône de grâce. In the time of need. Pendant votre temps de besoin. That you might obtain the best. Afin d'obtenir la miséricorde. C'est un devoir personnel. C'est un devoir personnel. But it's difficult. Mais il est difficile to take responsibility. Pour que les chrétiens prennent leur responsabilité. And blessings are passing. Et les bénédictions ne font que dépasser. Every day. Chaque jour. Unbelievers are getting blessed. Les païens sont bénis tous les jours. The price they pay.
Le prix que les païens payent. For their blessing. Pour obtenir. Le Christians will not pay. Les chrétiens ne payent pas. That's why Luke chapter 16 verse 8. C'est pourquoi Luc 16 verset 18. That the children of this world. Que les enfants de ce siècle. They are wiser than the children of the kingdom du royaume. The unbelievers will hold their chaplet. Les païens vont prendre leur chapelet. From 12 to 6 a.m. De midi à 6 heures. They don't even know what they are praying for. Ils ne savent pas même pourquoi ils prient. But they are persistent. Mais ils sont persistants dans leur prière. And a Christian will pray for 2 minutes. Un chrétien va prier 2 minutes. And go and eat hamburger. Et il va se régaler de son hamburger. And add pizza to it. Et il ajoute sa pizza dessus. And add Coca-Cola. Après il ajoute le Coca-Cola. Then go watch television. Alors il va regarder ça. He has prayed for 2 minutes. Il a prié que 2 minutes. And the problems in his life or her life are multiplying. Sont en train de s'amasser et de se multiplier. And he's blaming somebody. Et il est en train de blâmer quelqu'un. The pastor. Le pasteur. And the church. Et l'église. For his failure. Pour son échec. But you're not taking responsibility. Mais tu ne prends pas ta responsabilité. To pray. Pour prier. If I would take a census this morning. Si je fais un recensement ce matin. Those who can pray for 30 minutes. Ceux qui peuvent prier 30 minutes. Every day. Chaque jour. You will find out. Tu vas remarquer et trouver. That only 5 people. C'est seulement peut-être 5 personnes. Oh, 10. Ou bien 10. And those who can pray for 30 minutes every day. Ils peuvent vraiment prier pendant 30 minutes. The rest just pray when they want to eat. Les autres prient que quand ils veulent manger. And how can you break through? Et comment tu peux percer? So this morning, alors, ce matin, if you will permit me, si vous pouvez me permettre, I want to talk on how to break through in prayer. Je veux parler de comment percer dans la prière. This is not like your Sunday teaching. Ce n'est pas comme les enseignements d'habitude. Because some of you have already come to shout Alléluia. Il y en a qui sont pleins préparés pour venir crier Alléluia. Or receive word of prophecy. Ou bien recevoir des paroles de prophétie. But if you cannot pray your prophecy, it cannot come to pass. Mais si tu ne peux pas prier pour la réalisation de ta prophétie ne pourra jamais se réaliser. Can shout Alléluia. Tu peux crier Alléluia. When prophecy come out. Quand la prophétie sort. If you don't go and soak yourself in prayer, tu ne vas pas te tromper dans la prière. You will not come to pass. Ta prophétie ne va pas se réaliser. 1 Timothée chapitre 1 verset 8. Paul dit, my son Timothy, mon fils Timothée, with this prophecy that came out for you, prophétie qu'on vient go and fight the good warfare et combat le bon combat de la foi. Because prophecy, parce que la prophétie, simply means, simplement veut dire, le plan, the intent, l'intention, objective of God, l'objectif de what Dieu, God wants to do for you, ce que Dieu veut faire pour toi. If a prophecy comes out, si une prophétie sort pour toi, go and cry, va et pleure. Because the devil will say, parce que le diable va dire, I now know what God wants to do. Je sais vraiment ce que Dieu veut faire dans sa vie. And he will fight you. Et il va te combattre. So if you are a sleeping Christian, si tu es un chrétien, your miracle will sleep. Ton miracle aussi va dormir. Il y a beaucoup de sleeping Christians au Sénégal. De chrétiens qui sommeillent au Sénégal. I'm sorry. Je suis désolé de le dire. But that's what I've seen for 10 years. Mais c'est ce que j'ai vu pendant ces 10 ans. People don't pray. Les gens ne prient pas. But they talk. Mais ils parlent. Because talk is free. Parce que parler c'est gratuit. How to break through? Comment percer? In prayer. Dans la prière. Luke chapter 18 verse 1. Luc chapitre 18 verset 1. You should know this verse. Vous devez connaître ce verset. Men ought to pray. Les hommes doivent prier. And not faint. Et ne jamais relâcher. Ces men ought to pray. Les hommes doivent prier. Men ought to do what? Les hommes doivent faire quoi? Pray. Prier. For them not to be prey. Pour ne pas devenir des proies. Men ought to pray. Les hommes doivent prier. So if you are fainting in life. Alors si tu es en train de relâcher dans la vie. If you're fainting, if you're getting discouraged, si tu commences à te décourager, I will describe the word faint so that you can understand. Je vais écrire le mot après, en fait, je vous comprends. Because the French Bible did not bring it up well. Parce que la if you français, are fainting, si tu es en train de perdre des forces, that's one of it.
To lose force, to lose strength. Perdre des forces, manquer. To be discouraged. Être découragé. To be in coma. Être dans le coma. To lack enthusiasm. Manquer d'enthousiasme. To be weak. Être faible. To lose concentration. Manquer de concentration. And to lose consciousness. Et manquer, perdre la conscience. That's what it means. C'est ce que cela veut dire. So the Bible is saying, men should pray. La Bible dit que alors les hommes doivent prier. And not lose concentration. Et ne pas perdre de concentration. And be strong. Et d'être fort. Men should pray. Les hommes doivent prier. And not be in coma. Et ne pas être dans le coma. Men should pray. Les hommes doivent prier. And not lose their strength. Et ne pas perdre leur force. Men should pray. Les hommes doivent prier. And not be discouraged. Et ne pas être découragés. Men should pray. Les hommes doivent and prier. Not be distracted. Et ne pas être men should pray. Les hommes doivent prier. And not be overwhelmed. Et ne pas être submergés by their situation. Par leur situation présente. God expect Dieu t'attend to overcome your situation. Que tu puisses vaincre ta situation. So if you are fainting, alors si tu es en train de t'évanouir in life, dans la vie, I like that one. Évanouir dans la vie. Fainting. I didn't go to French school. Je suis pas allé à l'école. But I can interpret French. Mais je peux interpréter le français. Évanouir. Fainting. You are alive, but you already. Tu es en vie, mais tu es déjà évanoui. Y'a pas de water. On verse de l'eau sur toi pour t'éveiller. So if you are fainting, alors si tu t'évanouis, then alors, you are not prayed to. C'est que tu n'as pas encore réellement prié pour personne. Hallelujah. 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 The Bible says in Proverbs chapter 24, verse 10. 24 à son verset 10. It says, if you faint in the day of adversity, si tu t'évanouis au jour d'adversité, your strength is small. C'est que tu as une petite force. So you see people talking. Tu vois les gens qui bavardent, qui parlent. They have strength to talk, but they don't have strength to pray. Ils ont réellement la force pour parler, mais pas la force pour prier. They don't have strength to pray. Ils n'ont pas la force de prier. Prayer is hard work. La prière c'est un dur travail. That's why many people don't like to pray. Pourquoi beaucoup n'aiment pas prier. Hallelujah. Alléluia. You must pray through. Tu dois prier pour percer. To be true. Afin de percer. What then is breakthrough? Alors c'est quoi la percée? Breakthrough. La percée is to break through barriers. C'est percer au travers des barrières. Obstacles. Des obstacles. Surrounding you. Qui sont autour de toi. By force. Par la force. Because everything stands still. Parce que toute chose reste sur place. Until power is applied. Quand une force soit exercée. Isaac Newton said. Isaac Newton. Everything stands still. Toute chose reste inerte. Until power is applied. Une force soit exercée. Nothing moves on its own. Rien ne se déplace seul. You move things. Tu déplaces les choses. Hallelujah. Alléluia. Those that are involved in the construction of road. Ceux qui s'impliquent sur la construction des routes. Each time they come against mountains, à chaque fois qu'ils veulent construire la route et qu'il y a une montagne, they will lay dynamite. Ils vont poser des dynamites autour de la montagne. And they will blow it. Ils vont enlever la montagne par explosion. So that there be way. Afin qu'il y ait un chemin. So for you to break through. Alors pour que tu puisses percer, you need the Holy Ghost dynamite. Tu as besoin des dynamites du Saint-Esprit. Hallelujah. Alléluia. Breakthrough, la percée, is to make a headway, c'est créer un chemin, to succeed, pour réussir, in whatever you do, dans tout ce que tu entreprends. In Psalm 1, verse 1 to 3, en Psaume 1, verset 1 à 3, la Bible dit, whatever you lay your hands upon that is according to the will of God, la main, si se lève, c'est la volonté de Dieu, shall prosper, va prospérer. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Louange au Seigneur. But there are barriers. Il y a des barrières. Tell your neighbor, say there are barriers. Il y a des barrières. There are limitations. Il y a des limitations. There are hindrances. Il y a des blocages. That are invisible. Qui sont invisibles. That want to stop you. Qui veulent t'arrêter. Because you don't see a thing does not mean does not exist. C'est pas parce que tu ne vois pas une chose que cette chose n'existe pas.
You can't see the law of gravity. Tu ne peux pas voir la loi de la gravité. But it exists. Mais cette loi existe. You can't see what is hindering you. Tu ne peux pas voir ce qui te bloque. But it exists. Mais cette chose est là. So you must break through. Alors tu dois percer. So that you can enjoy the blessings of God. Afin de pouvoir te réjouir des bénédictions. The reason why a lot of people are not enjoying God. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne se réjouissent pas. Because there are obstacles, c'est parce qu'il y a des obstacles, des barrières. That you have not breached. Qu'on n'a pas encore percé. Alléluia. You see what I'm teaching. Voyez ce que je vous enseigne. I am qualified to teach. Je suis qualifié pour enseigner ces choses. Are you understand? Est-ce que vous comprenez? My marriage delayed for almost 4 years. Mon mariage a retardé près de 4 ans. And God told me to go and pray. Et Dieu m'a demandé d'aller prier pour libérer mon mari. By the time I went in for 21 days. Et quand je suis rentré dans un mois de jeûne, de prière de 21 jours. No eating, no drinking. Sec, sans manger, sans boire. No television. Pas de télévision. No pizza. Pas de pizza. No téléphone. Pas de téléphone. No iPod. Y a pas d'iPod. No iPad. Y a pas d'iPad. No video game. Y a pas de jeu vidéo. I was alone with God. J'étais seul avec Dieu. 21 days. Pendant 21 jours. By the time I came out. Et quand je suis sorti de là. I was like a skeleton. J'étais comme le squelette. Well, that's how the breakthrough came. Et c'est comme ça la percée est venue. There is no price without the price. Il n'y a pas de prix à obtenir sans un prix qui a été payé. You must close your stomach to open your miracle. Tu dois fermer ton ventre pour pouvoir ouvrir ton miracle. Amen. There are many eaters in the church. Il y a beaucoup de mangeurs dans l'église. Instead of you growing fat spiritually, you're growing fat physically. Au lieu de grossir spirituellement, ils sont en train de grossir physiquement. There's so much silence in this place. Somebody shout hallelujah. I like the phrase, once you're saying the truth, everybody will be quiet. Parce que à chaque fois que tu dis la vérité, the English will shout anyhow. Les anglophones écrivent n'importe comment. Alléluia. But at least it helps us to preach. Mais ça nous aide à prêcher. It encourages. So somebody shout hallelujah. You are too quiet, you make me afraid. Quand vous êtes trop silencieux, ça m'effraie. Alléluia. So to obtain your breakthrough, alors obtenir ta percée, you must do something unusual. Tu dois faire quelque chose d'inhabituel que tu n'as jamais fait. Tell your neighbor what I've just said. Dis à ton voisin ce que je viens de dire. For lazy people. La percée n'est pas pour les paresseux. It's not even for idle and nonchalant people. Ce n'est pas pour ceux qui sont nonchalants. It's for violent people. C'est pour ceux qui sont violents. The Bible says in Matthew chapter 11 verse 12. En Matthieu 11, à son verset 12. That since the day of John the Baptist up till now. Baptiste jusqu'à maintenant. That the kingdom of God suffered. Le royaume de Dieu a souffert de violence. And only the violent. Et seulement les violents. Sit down. Qui s'assied. And take it. Et prennent.